La maison de l'agent 2 se trouve derrière la place du marché, au nord-ouest, après la taverne. Juste à côté de chez Schmidt, le boulanger. Le mot de passe n'a pas changé.
faire très attention. Tuer seulement en cas de force majeure. Comment? Je dois tuer un maximum de nazis? Non, je vous ai dit de ne... Je vous entends plus, Kessler. La liaison est brouillée.
Rat nach der Ehre. Was? Er ist kein schlechtes Omen. Vielleicht räumt er dieser verfluchte Stadt endlich auf. Ça y est, me voilà devant la boulangerie Schmidt. Kessler, j'ai trouvé la maison de l'agent 2. Dinner Season, Seeking in Moonshine. Ouvrez la porte sur le flanc du bâtiment. La clé est sous une grosse pierre. Passez par la fenêtre du sous-sol. Bonté divine, mais où est passé ton t-shirt, beau gosse? Pippa, c'est toi l'agent 2. Je suis l'infirmière Inga, ici. Repose-toi un moment, je t'apporte du thé et des biscuits. C'est donc là qu'ils t'ont transféré? Oui, ça fait 6 mois. On s'était pas revus depuis la fête du QG. Oh, tu parles d'une soirée. Wesley m'avait renversé de la bière partout sur les nibards. Quel crétin, celui-là. J'ai essayé de le sauver, Pippa. Je sais bien, mon chou. Je suis désolée, mais les histoires à pleurer, ce sera pour plus tard. Écoute, je sais ce que tu recherches, Blasco. L'homme qui est dans mon lit est l'un des larbins nazis d'Elgar. Avant qu'il ne s'endorme enfin, je l'ai fait parler un peu. Le dossier que tu recherches se trouve dans la chambre même d'Elga à la taverne de Wolfsburg. Alors, apparemment, c'est une grande amatrice de vin. Fais-toi passer pour un serveur et tu pourras peut-être t'approcher d'elle. Mais par pitié, va d'abord te mettre un truc sur le dos. Dans ce coffre-là, il y a de quoi t'habiller. Ça ne me déplaît pas de te voir torse nu, BJ, mais tu dois... Et laisse tes flingues ici. Les employés de la taverne ne portent pas d'armes à feu. Je vais les garder bien au chaud pour toi. Enculé de nazi. Et les gens suivent ces connards comme de vulgaires moutons décérébrés. Ils méritent peut-être leur sort, finalement. Les charnières sont rouillées. Tu peux venir m'aider, Blasco? Nage une dizaine de mètres dans ce tunnel et tu arriveras à un puits dans la cour de la taverne. Dès que tu as récupéré le dossier d'Elga, tu reviens me voir. Et fais pas ton intéressant en allant te noyer, espèce de gros malin. J'espère que ces charnières vont pas rerouiller trop vite.
Obersturmbannführer von Schaps ist hier. Hören Sie gut zu, Schreiber. So spricht man das aus. Genug jetzt von diesem Quatsch, Helga! General Strasse will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen! Wie bitte? Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmals, lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga. Bringen Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fisch. Bevor Sie gehen, müssen Sie meinen Wein probieren. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Parce que très cher et incompétent Schreiner, il ne s'agit pas d'un serveur. Mais d'un espion! Vous pensiez vraiment m'impressionner avec votre allemand à couper au couteau? Allez, rendez-moi le dossier, Franz!
Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Kessler, vous me recevez? Helga est partie. Elle a pris le dossier avec elle. Je vous rejoins au hangar maintenant. C'est compris ?